mettre les mots réseau, mais c'est un réseau de réseau. Ça ne veut pas dire qu'on fait une métastructure, ça ne veut pas dire qu'on fait table rase de ce qui existe et on fait un réseau. Dans la nature, en fait, les réseaux, ils sont tous interconnectés, mais il y a plusieurs réseaux différents. Donc c'est juste comment on coordonne, mettez le mot que vous voulez, on coordonne ces réseaux, on crée du lien entre les réseaux qui travaillent sur l'éducation de manière globale, pour qu'à un moment donné, tout le monde puisse avancer ensemble et se mettre au service de cette raison commune qui est de se reconnecter à la nature. C'est assez dramatique, mais oui, c'est un défi de se reconnecter à la nature. Je pouvais vous refaire le même speech sur quand on a décidé d'ouvrir la baignade dans la Villette dans le 19e. Mon Dieu, les Parisiens vont avoir les pieds sales en sortant sur le quai. Et ce n'est qu'un exemple, voilà. C'est un défi majeur. Ça rejoint pas mal de discussions qu'on a eues dans cet atelier pendant 8 mois, où on se disait, mais comment on peut faire de la nature vraiment un élément d'apprentissage. Est-ce que promouvoir la connexion à la nature est une dimension importante dans la perspective de faire évoluer la société ? La connexion à la nature, pour moi, c'est un projet de société. Et je trouve que essayer d'aller vers la transition à la nature, ça nécessite un basculement de notre société. C'est pas un gros mot et c'est politique. J'assume totalement, c'est politique. Charnière de changement de société, là. Il se passe quelque chose d'important. Et on fait partie de ces personnes qui en sont, quoi. Et je suis ravie d'être avec vous.